stylé. Bon, temps de base, il y a un groupe de snowboarders ici. Je pense qu'on va attendre qu'ils partent pour les suivre. Parce qu'on va essayer de respecter au moins le premier jour la règle qu'on s'est donnée, à savoir ne jamais partir tout seul. Kéké est presque prêt. Il se plaint toutes les 30 secondes qu'il fait chaud, qu'il fait froid, qu'il a oublié son piqué. Bah, il est en train de se plaindre. Les juges sont faites. Et puis on va y aller, hein. On va par là. Attends. C'est la vraie descente. En Alaska quoi. Bon, ben on vient de partir du camp de base. C'est une première descente, 800 mètres de descente, descente de dénivelé. Voilà, lui, Kéké galère. Il est déjà tombé deux fois. Putain, il était pas prêt. Ouais, ouais. C'est un truc de ouf. Fin de la première journée. On a fait 8 km 800 et on... Je fais bien un petit somme. Il se barre. Bon, première nuit. Dans la chambre. Ouais. À la tente. Kéké a dû râler la moitié de la journée. Quoi? Et moi, bah, comme à mon habitude, j'ai fait la salope. Fatigué de ouf. Pas fatigué, en fait j'avais soif de ouf. Comme si j'avais plus d'énergie. Ça laisse présager le futur. Une petite ampoule. Ouais. Ça elle va piquer. Ah ouais? Ah oui. Et aujourd'hui, on passe là. On monte et ensuite on va derrière la montagne. Normalement. C'était dur un peu. Hein. Un peu costaud, ouais. On vient de trouver un palace qui s'offre à nous. Déjà tout prêt. Donc on va. Bon, il fait une chaleur de ouf. C'est. Depuis deux jours, il fait chaud. Bah, genre Kéké là. Il est torse nu. Je suis allongé, je suis fatigué. Mais. Ouh. On a de la chance sur ce coup-là. Tout ce que nous avons là, du jus de coin carne. On va faire des surprises de série. On a plutôt bien dormi. Léger drift sur la droite, il garde le contrôle. Oui, il va le faire. Il va y arriver, il va atteindre ce fameux sommet. Ouais, ouais. Oh, stylé. C'est pas bien là? C'est la meilleure journée depuis 3 jours. Et aujourd'hui, pour représenter la France. Youtubeur de merde. Espèce de porc. Je sais pas si vous l'avez entendu, mais Kéké a le cul en feu. Ça fait 4 jours qu'il a pas chié. Ça fait 4 jours qu'il a pas fait caca.
Et il mange beaucoup. Comme on peut le voir, hein, c'est le bordel du côté de Kéké. Ce mec est désordonné au possible. Je vais faire la GoPro. Ça y est, fais des bêtises. La maladresse, tout ça, sur une montagne, ça mène vite à la mort. Ah, une pile de sa race de deux mètres. Ça c'est le Windy Corner. T'as vu l'hélicoptère? Ouais, bon, ça doit être du ravitaillement. C'est où ça doit être ça? Bon, on va enterrer tout ça ici, dans ce grand trou qu'on a parasité. Ça fait 4 jours maintenant qu'on parasite les gens qui passent avant nous. Nos abris, nos trous, nos toilettes, les gens qu'on suit, donc leur guide. Ah. Des Morbacs. Morbac ? C'est pas les crottes de nez, ça, normalement ? Des Morbacs, c'est les morpions, c'est ce qui s'accroche aux couilles. Ah, ouais. Un vrai problème de vocabulaire. Aujourd'hui, on part au camp 4. Hier, on a amené la moitié de nos affaires dans une cache qui est à 200 mètres en dessous du camp 4. Aujourd'hui, on part avec une luge, notre tente, et on monte à 4003. Là, on va arriver à la cache. Récupérer le petit sac. Et voilà. Notre sac est toujours là. C'est pas beau. Ouais, c'est bon, il y a du gaz qui sort. Ça c'est les deuxièmes. C'était fatigant aujourd'hui. Oh, je suis épuisé. Voilà, départ de l'avant-dernière étape. Un petit 1000 mètres à 900 mètres à grimper avec la corde fixe. Du coup, j'ai un petit feedback là-bas. Ah, je suis en super view. Je suis en... Bah, toi aussi, tu le fais. Oh, j'ai bien dormi. Bon, là-bas, c'était oui, le camp 4. C'est ton plan là. Le camp 4 ou le camp 3. Bon, bah, à tous les followers de Kéké. Ouais. Et du coup, normalement, on est censé s'acclimater une journée là-bas ou monter et descendre. Mais ils disent que dans 2 jours, il va faire dégueulasse. J'ai déjà expliqué. Ah ouais? Je crois. Ouais, ça se trouve, je le fais mieux parce que on moi j'ai une âme de youtubeur. Derrière là, on a la voix Messner qui passe derrière, qui va direct au sommet. On est à l'altitude du Mont Blanc, quasiment. 35 ou 40 degrés, je pense. Et après, ça va se tenir sur du 50. Ça va être beau. Les cordes fixes qui sont là-bas.
pète sa mère quoi. Bon, réaction à chaud après cette cordée. J'ai beau m'entraîner, je suis pas un mec de la montagne. C'était dur. Ça faisait un peu aventure, ça m'a fait peur au début, j'ai flippé au début. C'est dur. Ouais. C'est très joli mais c'est dur. Ah, c'était la preuve. Moi c'était la première fois que je faisais un truc un peu tricky comme ça. Mais bon. Bon, c'est pas fini hein. Pas beau là. Et te mets pas sur le trajet, putain. T'es incorrigible. Ouais, ma montre elle a bugué aussi. Quand 5? Je suis au bout du rouleau, bah, comme à chaque fois. Je vous annonce, ça sera ma dernière montagne, après je passe à la mer. Putain, si on y arrive, ce sera vraiment une belle fin de, la période montagne. Et là, on doit aller. Après, c'est... J'arrive pas à me repérer là. Ah oui non. C'est là-bas. Petit bout de confort. Bon, c'est pas nous qui l'avons installé. Hein. Parasite comme toujours. Voilà, jour 8, on était au camp de base, non, camp de high camp. C'est deux derniers jours pour s'acclimater, enfin on a passé une journée hier. Et aujourd'hui, bah, le temps se devient un peu plus dégueulasse, vous pouvez le voir. Du coup on va redescendre, et sachant que demain il va faire vraiment dégueulasse, donc on est obligé de redescendre. Et après-demain aussi. Donc on a le temps de voir, on va redescendre 1000 mètres plus bas pour voir s'il en est au niveau des prévisions et voir quoi, soit si c'est trop long, bah tant pis. Si c'est pas trop long, bah on va réfléchir. Forcément, il fallait qu'il trouve le moyen de se distinguer. Sinon, le mieux, c'est que tu mets le sac à dos et tu te mets la bande dessus. Oui. Est-ce que ça va fonctionner? Oh, je suis à mon... Qu'est-ce qu'il est con. Tu sais que t'es con. Ou alors tu manges de l'huile de palme? Mon dernier paquet de Skittles. C'est la tristesse en train. Après les Oreos, Nutella là. Ah ouais? Les Oreos aussi, t'en manges plus? Non. Putain. Triste destinée. Bon. Voilà.
Et ne meurs pas. Vas-y, des bisous. La V2. C'est parti, mon kiki. Bon, bah rien là. Un gros steak, on a dormi. Oui. Putain. On va avoir un quédale. Bon. C'est le grand blanc. Ça, pas de soucis. Sache ma vertu. C'est parti. Oh. Et on attaque les vraies montées. Cramponné, actif. Ça va grimper. Y'a bon, y'a bon là. Ouais. Il y en a un peu trop là. Allez là. Voilà, reste calme toi. Putain.
Là, le souci, c'est qu'il y a tellement de crevasses partout. Bah, je sais pas si on les voit, mais il y en a plein. C'est un méli-mélo et je trouve plus le chemin. Donc, on va faire attention. Presque la fin là. Plus que 200 mètres et dodo. Bam, le camp 4. Enfin. Là où j'étais hier avec Cyril. Ben voilà, on est de retour. Ouais, bien plus dégueulasse qu'hier, mais bon. Voilà, on va s'en sortir. On va se trouver un petit. Bon bah voilà, c'est la fin des haricots. Je suis arrivé en haut, au camp 4, et j'ai regardé les projections météo, qui ne sont absolument pas les mêmes que celles qu'elles étaient hier. Et apparemment, demain il fait dégueulasse, comme ce qu'il a fait aujourd'hui. Et c'est censé continuer encore quelques jours. Du coup voilà, ça m'a saoulé, je redescends. Voilà, allez, des bibis, ça aurait été beau, mais tant pis, il n'y a pas de sommet. Allez, tchoupou.